Salut à vous, je suis actuellement sur le PBE et je pense que ça se voit. On a ici les nouveaux items de League of Legends, les nouvelles interfaces. Donc ça fait énormément de nouveautés. On reconnaît ici le bouclier de Doran, item stat health, item gold value. Donc je vais tester les changements sur Rek'Sai. C'est vrai que je suis complètement paumé là. Honnêtement, je suis complètement paumé. Potion de corruption sur Rek'Sai, d'accord, pourquoi pas, hein. Conseiller, voilà, il me conseille des items jungle, super. Bon, bah, on commence cette bonne vieille lame de Doran. Hop, hop. Et on va essayer de s'en sortir. Ouh là là. Déjà, les items qui existaient ont une nouvelle apparence. Et il y en a où c'est pas écrit ce qu'ils font. Hein, ça, c'est cool. Ah, bah, ça, c'est vraiment clean. Et vous voyez que je m'appelle Rek'Sai et que Poppy s'appelle Poppy. C'est plutôt bien joué. C'est parce que je sais pas si c'est nouveau, mais on peut mettre le nom des champions au-dessus. Voilà, je sais pas, mais j'ai vu ça dans les options, je me suis dit, vas-y, je vais essayer, c'est rigolo. Même si j'aime bien voir les pseudos. Surtout que le pseudo de Poppy est marrant, elle s'appelle Eternal Eternity. L'éternité éternelle. C'est un nom de carte Yu-Gi-Oh! J'ai pas vu s'il y avait des changements sur la lame de Doran. De toute façon, c'est pas écrit. C'est ça qui est cool. Oh, dommage. Oh, merde, ma sensibilité est beaucoup trop élevée, je suis beaucoup trop sensible actuellement. Je crois que je vais pleurer d'ailleurs. Ok, pas de chance. Gragas, c'est bon, il est sur Skarner, il est parti. Hop! Et tu vas où, toi? Mais ouais, c'est pas très bien joué. Ah, c'est sympa de pas nous mettre ce que font les items, hein. Ça aide vraiment à tester. C'est peut-être parce que j'ai le jeu en français, en fait. J'ai le jeu en français, c'est ça. Là, on va prendre, je pense, le Tiamat. Il est pas beau. C'est normal, ça? C'est temporaire? Oh, l'animation par contre! Est-ce que c'est vraiment le Tiamat ou... Oui, c'est à peu près le même prix. Non, non, mais non, c'est moins cher. Attention! Miam! Délicieuse Poppy. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a un bruit associé au Tiamat. Dommage parce que c'est un item qui a l'air de faire beaucoup de bruit quand on voit son animation. Oh non, c'était vraiment pas de bol ça. Mais merde, si ça fait pas. Attends, c'est peut-être. Ah, c'est peut-être Hydro. Bah non, c'est ça l'Hydrovoras. Composant de. Ah, ça existe toujours l'Hydre Titanesque? Mais alors, j'ai fait quoi? Suis en train de mourir. C'est ça le Tiamat. C'est ça le Tiamat. Mais c'est quoi l'item que j'ai fait? Pourquoi je le vois pas? Et ils sont là. Ah non, ça existe toujours. Et alors, c'est ça le Tiamat, c'est ça. Et ouais, j'ai fait un. Ok, c'était plutôt bien joué et j'ai même pas utilisé mon item. Donc on a item gold value, ce serait pas mal d'avoir cet item. À moins que je prenne item gold value ou item gold value. Je vais essayer de mettre le jeu en anglais après et de voir si on peut voir les items quand on est. Ok, deuxième service. Oh oui, ça fonctionne. Ok. Je vais pouvoir savoir ce que font les items. Là, on a le Kull, l'abatteur. 3% of damage dealt. Ah d'accord, ça marche aussi sur les sorts, ça, lame de Doran, énorme. C'est moins fort sur les sbires, donc on est effectivement sur un item encore plus agressif qu'avant. Génial, alors les items là. Bon, qu'est-ce que c'est au juste? 45 attaque, 45 health, ability as, donc ability as c'est la réduction de cooldown. Je sais pas exactement comment ça fonctionne à vrai dire. Alors ça, l'actif. Ah ça soigne? Ah, c'est genre un Q-spell de Renekton, d'accord, ok, c'est pas ce que je vais faire, hein. Moi je vais faire Hydro Titanesse, malheureusement. Je le savais. Ok, marrant. Ok, je l'ai eu. La honte pour elle. Toujours un peu de lag. Oh, Nocturne. En voilà une surprise. Oh, je l'ai eu! Oh, je suis pas mort, je suis mort. Je suis mort, ce n'est pas grave. Alors, on a le Tiamat quelque part, il est ici. Il s'appelle effectivement Tiamat. Ok, bien joué, Fiora. Ah, mais ça a plus d'actifs le Tiamat? D'accord. C'est pour ça qu'il est beaucoup moins cher, tout s'explique. Alors. Elle a
Elle a son Z, il va falloir que je te play ça. Elle pense peut-être qu'elle pourra me play, regardez. Et paf, ok, super. On me play pas, moi, mais bon, je comprends, j'aurais fait pareil. Je connais sur le PBE, je me serais dit, ok, cette Rek'Sai est probablement stupide, alors je peux rester. Oh non, pas moi, pas moi, pas moi. Oh non, en plus, j'ai même pas ciblé, j'ai même pas de tunnel dispo, mais ça va, ce n'était pas pour moi. Oh, c'était pour moi. Oh, il m'a bien eu, lui. Oh non, j'ai trop de lag pour faire le ZE. Je peux vendre ma lame de Doran et finir mon Hydro Titanesque. On verra si c'est worth. Elle a beaucoup de vol de vie. Pour ça, je vais jouer agressif. Ah, tu m'as lu. Quoi? Attends, ça, y a plus d'actifs? Attends, quoi? Ah, y a plus d'actifs non plus? Mais ça, c'est catastrophique! Mais c'est la fin de Rek'Sai! Oh non, ils ont tué Rek'Sai! Et Rek'Sai n'est rien sans l'Hydro Titanesque. Comment je vais jouer, moi? Bah, c'est ça que j'aurais dû faire si j'avais su. Alors ça... Donc ça, ça fait un genre de Tiamat. Et ça, c'est le phage, effectivement. Ah non, ah, ok, ils ont changé le comment fonctionne le phage. Maintenant, ça rend des points de vie, le phage. Ça rend 33 points de vie après qu'on ait infligé des dégâts physiques à un champion. C'est intéressant comme fonctionnement. Là, je vais prendre le Kama. Tu veux pas te battre, Fiora, par hasard? Allez, le Z. Hop là, c'est immédiatement one shot. T'es sûr que tu veux faire ça, toi? Ah ouais. Ah ouais, t'as aucune pudeur, toi. Hein. Le flash, puis il va pas vers sa tour. Ok, c'est intéressant comme stratégie. Je vais faire des tabis pour cette game. Ils ont pas mal de CC en bot lane, mais le Lucian est bien feed. Alors, je vais faire des tabis plutôt. Et puis, le Kindle Gem. La Kindle Gem. Mes sorts se lancent 10% plus souvent. 9%. Ah, je voulais pas le lancer. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, j'ai mis une automatique. Ce qui est un peu un pléonasme, je sais. Mais... Ah, intéressant, ok. Là, j'ai le phage et il manque 200 gold pour finir le Gore Drinker. Ça fait beaucoup de stats. Et gagner 1% d'attaque tous les 5% de PV manquant. Ça semble à Olaf. Miam, 900 gold. Je comprends pas. Miam. Tu feras attention la prochaine fois, Rise. On a des ennemis par là. Hein. Oh. Il faut que je tue Lucian. Et maintenant, Nautilus. Et puis, c'est bon, ils sont tous morts. Easy. Oubliez d'utiliser mon Gore Drinker. Ça marche peut-être que sur les champions, non? Ah oui, sur chaque champion touché. Ok. J'ai vu que ça soignait, même si on l'utilisait sur les sbires. En fait, ce serait broken, vu que ça n'a pas un énorme cooldown. On va taper ça. Je suis légendaire, mais pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Ça se passe bien. Et ça, du coup, ça tape tout le temps sur la tour. Tiens, c'est nouveau. L'Hydro Titanesque qui a tout le temps son effet sur la tour. Donc on peut push pendant qu'on tape les tours. Alors qu'avant, il y avait que l'actif qui tapait la tour. Est-ce que ça fait des dégâts supplémentaires au tour? Tiens, le Carapateur qui a un bouclier. Ah oui, on lui enlève le bouclier quand on le bump. Ah, ça... Ça, c'est bien plus clair. C'est vrai que les gens... En fait, les gens avaient tendance à oublier que si on mettait un bump au Carapateur, il prenait plus de dégâts. C'est bien qu'ils aient fait un truc plus clair. Je crois que le split push pourrait nous aider dans cette game, vu qu'on a un AFK, mais mes alliés n'ont pas l'air d'accord avec ça. C'est vrai qu'on a, Samira qui est broken. Ah, je suis mort. Lucian m'a tué. Bien joué. Alors, j'avais dit que je faisais quoi, moi? Qu'est-ce que je fais avec mon... Je peux pas faire ça. J'ai pas le droit. Est-ce que je peux faire Lich Bane? 80 d'AP. Non. Essence River. Pas mal, ça. Ça file plus de mana, Essence River? Ah si, ça restaure un peu de mana. Bon, bah, Trinity Force, du coup.
J'ai pas le droit non plus. Très bien, ça coûte combien? 3, 3, 3. Bah, je peux, mais ça marche pas. Je crois qu'on peut pas faire. Il y a des items qu'on peut pas faire si on a déjà un autre item. Il nous faut Lucian, les amis. Regardez, ils vont venir sur moi. Eh, j'ai mal joué, j'ai mal joué. C'est dur de jouer sans l'hydro-titanesse, vous savez. On fait vraiment n'importe quoi. Heureusement, Samira est broken. Donc, dans cette équipe, on est deux. Alors, comme ça, on embête Masoraka, hein. Je vais vous apprendre, moi. Oh! Ah! Vas-y, vas-y. Mais venez! Ah mais ils sont trois. Peut-être pas, je vais peut-être pas me battre alors. Tout compte fait, je renonce. Ça, j'ai des tunnels partout. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois doublement rien, c'est saoulant. Je crois qu'on est en train de gagner quand même. Ah! Pas du tout. Bon, bah, on a perdu, hein. On a un 0-10, un AFK. Ça pardonne pas, ça. Eh bah, c'est cool. Hein, je m'attendais à ce qui rende le jeu plus simple. Mais avec cette histoire de hâte, là, de nouvelle CDR, je comprends rien à rien. J'espère quand même que la vidéo vous a plu. J'ai fermé le client pendant la partie, donc on ne verra rien de plus. Et ça nous a permis de voir le futur. Allez, c'est tout pour aujourd'hui.